Hier soir, le pilote arrière-cachonnais accueillait deux rencontres exceptionnelles. Le club de pelote basque d'Arcachon avait en effet été choisi par la fédération pour recevoir les championnats de France de la discipline en catégorie Benjamin et Senior B. Les enfants de Sogor et Biarritz, puis leurs aînés de Cannes et Guétari, ont offert au public des matchs d'une belle intensité sur le plan sportif et d'un haut niveau technique. C'est une soirée exceptionnelle parce que ça fait une dizaine d'années qu'on n'avait pas accueilli des finales du championnat de France de la Fédération française de pelote basque à Grand Chistera. Et donc, si vous voulez, pour nous, c'est une marque de confiance de la Fédération à notre égard. D'abord parce que nous avons des qualités d'organisation, nous avons des bénévoles qui ont tout préparé, et puis on a un site magnifique. Et on est un des derniers frontons de France à avoir encore une partie en terre battue. Et vous avez vu que ça complique effectivement le jeu parce que le rebond de la pelote est différent entre le béton et la terre battue. Et vous avez assisté là à une partie de Benjamin extraordinaire parce que la partie était en 40 points, il y a eu une égalisation 39 partout, quoi. Mais comme le disait René Ardoy, le délégué sportif de la Fédération française de pelote basque, il faut qu'à 39-39 il y ait un vainqueur. Et donc il y a eu un but faux de l'avant-droit de Biarritz et donc c'est Osegor qui a remporté la coupe. Mais finalement, les félicitations doivent être égales vis-à-vis de ces six petits joueurs qui ont joué avec talent et détermination pendant près d'une heure et quart. Ça ressemble. J'ai le L. Oui, j'ai le L. Troisième lettre en plus, ça fait quoi? Ils vont retirer son maillot. Allez, là. On vient de Sors, au Sogor. On a eu chaud à la fin, le 39-39 c'était dur. Belle partie, les deux équipes. Et voilà. Par semaine, on s'entraîne deux fois. Ça se passe bien. On est content. On remercie nos deux coachs. Et partie très stressante, mais ça valait le coup. Et voilà. Et nos parents aussi nous avoir amenés. Ouais, merci à nos parents de nous avoir amenés. Ouais, et tous les supporters. Et voilà. Ce soir, on est venu donc pour jouer la finale, donc championnat de France. On est trois copains, on vient jouer pour gagner et donc on vient sur Arcachon pour faire ce finale. Un fronton qu'on n'a jamais trop vu. Enfin, du moins, moi, je suis déjà venu pour faire partie démonstration, mais une fois. Voilà, on vient supporter pour Lola Roy de Guétari. On est là pour. Pour ramener la coupe à maison. Exactement, pour donner le titre au club. Ce qui va se passer ce soir, c'est qu'on est en finale de National B. C'est un événement important pour nous, club excentré de Cannes, donc. Et voilà, c'est à plusieurs reprises qu'on est dans cette finalité de la compétition. On espère pouvoir concrétiser ce soir. Le lieu est un peu différent d'une autre. On a un fronton qui est tout goudronné. Ça change un peu de nos repères. Bon, on va dire que c'est pareil pour les deux côtés. On va voir ce qu'on peut fournir ce soir.